récession. On va essayer de voir si la pêche a changé ou pas. Apparemment, tous les éléments qui se sont passés, le fort vent, une forte pluie, le lac a encore remonté d'un mètre à peu près. Donc, ça risque encore d'avoir changé. Avec tous ces mouvements d'eau, bah, le poisson, il a du mal quand même à trouver sa place. Au niveau des profondeurs. Ben, si cette vidéo vous plaît, vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, c'est super sympa. Et ben, abonnez-vous, hein, si vous voulez me suivre, il n'y a pas de souci, vous êtes le bienvenu sur la chaîne. Voilà, donc on se retrouve à la fin de la session, s'il y a du poisson. Et on fera un point. Oh la chasse. Possible ça. Qui est ce bâtard là? Chasse à l'affût. Alors, ah oui, on voit bien. Poisson. C'est bois, je pense. Ça n'a pas l'air vilain. Un brochet, je pense. Ouf, un beau encore. Oh, une pirouette.
Allez, allez, allez. Ouais, yes. Ah ouais. Voilà, une belle bête. Regardez-moi, coup frais. Et voilà. Et ben, j'ai réussi à le faire proprement. Impeccable. Voilà. Alors. 72. 71, 72. Ouais. C'est beau. Et à gratter. Toujours pareil donc. J'allais juste changer de technique. Pour passer un petit spinner en métal pour voir. Mais non. Ils étaient là quand même. Il y a deux, trois fois qu'ils passent devant les trous de nez. Mais ils viennent bien le cueillir sur le fond. Hein. Ça c'est. C'est Rictor. Yes les gars, yes. La petite rainisse qui va bien. Voilà. Et voilà. Et on passe. Ouais. Et quand il fera beau à la réouverture. Bon, tu viendras, on fera une partie de pêche ensemble. Ouais, ouais, mais tu peux un peu marcher quand même? Pas trop. Je voudrais faire un petit clin d'œil à un abonné qui pêchait en bordure que je connaissais pas, enfin que j'ai connu sur un commentaire, et qui est venu pêcher en bordure. Donc il pêchait pas loin de moi. Je voudrais faire un petit coucou, comme quoi j'ai vraiment apprécié cette personne, qui s'appelle Cédric. Je te confirme qu'on fera une sortie ensemble, Cédric, et on la fera au printemps.